Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouvel épisode avec nos deux ânes et où on va partir, pas avec eux. On va partir à la recherche d'un trésor caché, ou on va dire plutôt un trésor caché dans un bateau. Souvenez-vous, dans un épisode précédent, en me dirigeant par ici, j'ai cru voir les restes d'un navire. Donc on va en profiter, on va aller faire un tour là-bas et on va aller vérifier ce qu'il peut y avoir de caché dans ce bateau. Et on reviendra par la suite ici où on s'occupera des chevaux, car vous pouvez voir maintenant il y a deux chevaux en plus. On s'occupera aussi des abeilles et puis tout ce qui est culture. Enfin bon, ça c'est pas très important, je le fais un petit peu au quotidien. Et c'est pas primordial dans le fonctionnement. Alors le bateau, il est là. Peut-être pas emmener tout ça avec moi. Ça serait quand même bien que j'aie de la place pour installer d'autres choses. Donc je fais un petit peu le ménage et puis on décolle en direction de ce bateau. À tout de suite. Voilà, je me suis un petit peu débarrassé de certaines affaires. On va laisser les animaux ici parce que pas la peine d'aller avec des chats à la recherche d'un bateau. Ici, il n'y a plus de chien, c'est bon, plus personne ne me suit. Il y a toujours un chat qui miaule, mais je ne sais pas s'il me suit encore. Potentiellement, on a l'air d'être bon. Et zut! Je savais bien qu'il avait entendu encore un chat. Reste là, toi. J'ai l'impression que l'emplacement où je veux aller n'est pas du tout sur ce niveau-là. Ouais, il est de l'autre côté. Donc, on se fait une petite traversée directe. Ça sera embêtant quand on aura besoin de faire le transfert de l'un à l'autre, mais bon, ça se résout assez facilement. Allez, c'est reparti. Si je me souviens bien, le navire était par là-bas. Le voilà. Alors, navire pas tant enfoui que ça. En train de me demander si je suis pas déjà passé dessus, mais j'en ai pas souvenir. Et non. Et là, je vois par ici qu'on a ce qu'il faut. Alors, est-ce que je peux descendre? Non. Oh, sympathique le son là. Allez, on va reprendre ça. Et on va installer une porte de manière à pouvoir, voilà, accéder ouais, joli. Très très sympathique ce coffre.
Allez, on le laisse pas ici. Et on va récupérer du bois. C'est pas par là que j'aurais dû commencer. Voilà, on va laisser une petite lumière là et on va s'installer par ici pour dormir. Comme ça, on sera à l'abri. Et on va jeter un petit coup d'œil. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Je disais, on va jeter un petit coup d'œil à la carte pour voir où se trouve ce trésor. Pour les habitués, les trésors sont souvent enfouis dans des bancs de sable. Donc ça peut très bien se retrouver donc par ici par exemple. Hop là, on va aller voir, voilà, par là. Ou alors même tout simplement juste ici à côté. C'est vraiment pas très très loin. Donc voilà, on va regarder ça tranquillement. Je termine la collecte. Il reste encore un peu en dessous, mais... c'est pas bien grave et je pourrais finir tout à l'heure. Hop, on va se rajouter quelques planches. Un bon raté. Voilà. Et hop. On est bon. Ah zut, j'ai oublié la carte. Bon. On va regarder par ça. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ah, on n'est pas juste à côté. Mais on n'est pas si loin que ça, donc ça mériterait une petite exploration. Petite exploration que je débuterai tout à l'heure. Je voulais faire un petit tour sur ce qui me restait et dans quel état c'était. Mais bon, pour l'instant, tout va bien. Voilà, le ménage a été fait en off, hein, c'est même pas la peine d'avoir l'accéléré pour ça. Et donc maintenant, on va pouvoir se rendre, ou essayer de se rendre, là où se situe ce trésor caché. Alors, dans un premier temps, j'ai juste envie d'essayer de voir si c'est par là. Et on garde bien en tête que nous... on a cette zone glacée qui va être un bon repère pour pas se perdre pour le retour. Voilà, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose qui change sur la carte. J'essaie de garder la terre d'où je viens dans les horizons.
Voilà, bah là déjà on a des informations complémentaires. Vous voyez, on est en train de se déplacer sur la carte. Donc potentiellement, je peux tenter de remonter comme ça. C'est plutôt un bon signe. Un dauphin là-bas. Est-ce un bon présage? En tout cas, il va nous accueillir. Voilà. Oui, c'est plutôt bon. L'avez-vous remarqué? Ça y est, on est en train de... faire apparaître quelque chose sur la carte. Et si tout va bien, ça devrait être par ici. Tout à fait. Alors, directement là. Oh bah trop bien. Voilà, on y est. On y est et on va mettre pied à terre, se séparer d'un certain nombre de choses. Oui, ça j'aurais pu le laisser dans le bateau en fait. Hop là. Voilà, je disais se séparer d'un certain nombre de choses, mais non, il n'y a pas spécialement besoin. Si ce n'est que le mieux, c'est d'enlever le bouclier pour mettre la carte dans la main. Et comme ça, on a beaucoup plus de précision. Vous voyez, la croix, elle est ici, et donc ça devrait être par là. Alors, il y a toujours un petit décalage. Mais jamais de trop. Et la carte nous dit bien que c'est un trésor enfoui, donc il doit être sous le sable. Voilà. Allez, je pars en accéléré. Bon, toujours un doute sur le véritable emplacement. Parce que là, si on regarde bien la carte, il nous dit que c'est par ici. On va quand même aller essayer au fond là-bas. Le voilà. Très joli trésor avec des potions, du lingot, de la TNT. Waouh, joli. Allez, on va se faire plaisir. Non. Pas assez de place. Hop là. On va virer le sable et on va récupérer. Non, j'ai dit, on va récupérer, voilà, cette caisse. Parfait. Bon, on va refaire un peu la déco ici. Juste parce que c'est plaisant comme ça. La carte, potentiellement, n'a plus beaucoup d'intérêt, mais en fait, elle est assez sympathique à conserver. Ne serait-ce que pour la partie exploration. Donc, je vais quand même m'en retourner dans par chez moi là-bas. J'ai dit dans par chez moi, c'est grandiose. Je vais retourner par chez moi dans la zone là-bas. Et puis, on va regarder un petit peu comment on va pouvoir transférer tous ces éléments-là. Ou alors, on fait un petit sommeil ici. Bon, ce serait pas plus mal en fait. Allez, on va se faire une pause par ici, dans la partie un peu dure là, ici. Voilà.
une petite torche et on s'installe pour dormir. Voilà. Hop. Tiens. Hop là. Je récupère ceci. Je laisse cela. On pourra revenir éventuellement s'il y a besoin. Ce qui m'importe le plus, c'est de garder tous ces éléments là qu'on a conservés. Ah oui, bien sûr. Bon, allez, tant qu'à faire, on ramasse tout et on remet tout ça ici. Hop là. On retourne par chez nous, mais on reviendra faire un petit tour ici pour finir l'exploration. Je sais pas s'il y a grand chose à découvrir, mais si on n'essaye pas, on ne le saura pas. Voilà. Allez, retour en accéléré à la maison et on va ramener ce trésor là et ce qu'on a collecté dans le bateau. À aller chercher tout le bois que j'ai collecté, voir si je le garde dans le stock par ici. Je vais m'empresser, hop là, de stocker ce que je viens de récupérer. Peut-être faire une malle au trésor supplémentaire. La fiole d'expérience, le cœur de la mer que j'ai jamais utilisé. Une potion de respiration aquatique. Une deuxième potion de respiration aquatique. Ah, j'ai pas le droit de les mettre, les stacker. Bon, bah tant pis. Hop. Allez, ici, on va faire comme cela. Voilà. Tout ça, c'est plutôt pas mal. On n'a pas eu besoin de se battre. On n'a pas gaspillé de nourriture. Tout va bien. La fiole d'expérience. Pas vu grand chose. C'est pas bien grave. Il me reste donc juste à aller chercher ce qu'il faut, le bois. J'aimerais bien agrandir la carte avant, comme ça j'aurai une grande carte et je pourrai repartir, mais certainement off, à la recherche, on va faire un petit tour dans les alentours. Voilà, un petit épisode sympathique avec donc un cœur de la mer, de la potion de respiration aquatique, je vais en garder une certainement avec moi pour poursuivre mes recherches dans le secteur. Petit épisode sympathique, hein, tout simple. Je vous dis à très bientôt pour les suites des aventures. Salut!